suis pour la guerre. Pour la guerre saine. Celle qui sauve et qui rend sauf. Celle que l'on fait pour élever nos enfants et pour les voir grandir au-dessus de tout soupçon. Hommes ou femmes, venons à bout de l'infâme. Apprivoisons le gros animal qui nous fait tant de mal. Il est à l'intérieur de nous. Ne le cherchons pas à l'extérieur. Et si on ne peut y parvenir, abattons-le avant d'être abattus les uns par les autres. Avant de remplir notre ventre, vidons notre cervelle de toute doctrine et de ses séquelles. Élaborons ensemble un nouveau contrat pour réapprendre à vivre ensemble avec de nouvelles valeurs et une toute autre idée du bonheur. Songeons à la fin. Oublions les moyens et la moyenne. Faisons sur l'honneur cette déclaration des devoirs de l'homme et de la citoyenne. Article 1. Chaque homme est responsable de tous les hommes, sinon point de liberté. Article 2. On s'aime ensemble, au grand jamais séparément. Que vive la solidarité ! Article 3. On récolte les fruits et on les partage, parmi lesquels l'envie de partager. Je vous entends là-bas rire ou pourrir. Non, je ne suis pas plus anarchiste que vous. Tout comme vous, je voudrais changer d'archer, d'archétype, d'architecture pour reconstruire la maison de nos désirs. Non, je ne suis pas là pour m'accomplir, mais pour accomplir d'autres destins que le mien. Je vous invite à en faire tout autant, que ça vous plaise ou non, que vive la révolution.